Bonjour Henri, tu es membre de la Société Astronomique de Bourgogne, en raccourci la SAB, qui met en ligne des vidéos à caractère scientifique sur sa chaîne YouTube. Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, la Société Astronomique de Bourgogne, parmi ses nombreuses activités orientées vers ses adhérents, mais également vers le grand public, est très impliquée dans la science des météorites. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ce qu'est une météorite, de quel endroit elle vient du système solaire et comment on peut faire pour la reconnaître. Est-ce que, en tout premier lieu, tu pourrais peut-être nous décrire ce qu'est le système solaire ? Le système solaire s'est formé il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années à partir d'un disque de gaz et de poussière. Au milieu de ce disque, le Soleil est né, extrêmement massif, constitué principalement d'hydrogène. Puis autour, dans le disque de gaz et de poussière, tout s'est organisé. Les particules les plus fines se sont condensées, agglomérées, d'abord selon des phénomènes physiques proches de l'électricité statique, puis ensuite selon un procédé qu'on appelle l'accrétion, qui traduit l'agglomération de pierres plus petites pour former des corps de plus en plus gros, pour arriver jusqu'à des planétésimaux, qui sont les briques essentielles des éléments du système solaire, des corps du système solaire. Les plus gros corps de ce système solaire sont devenus sphériques et ça a donc donné les planètes. On en compte 8 principales aujourd'hui, plus les planètes naines, mais bon, c'est un autre sujet. Et puis à côté de ces planètes, on trouve des corps plus petits, le plus souvent de formes variées, des fois on dit des formes patatoïdes, et ça ce sont donc les astéroïdes. Comment ils sont arrivés ces astéroïdes alors ? Comment ça s'est formé ? Tout ça s'est organisé autour du Soleil au fil du temps pour créer notre environnement proche, enfin relativement proche, et notamment la Terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais dans tout ça, où sommes-nous exactement ? Je suis un peu perdu. Alors, on appelle unité astronomique la distance qui sépare la Terre du Soleil. Cette distance est de 150 millions de kilomètres. La planète la plus proche, Mercure, est à 0,38 unités astronomiques. Neptune, qui est la planète la plus éloignée, est à environ 30 unités astronomiques. Donc presque 10 fois plus. Et nous ? Nous, on est la Terre, on est forcément à une unité astronomique, on est en troisième position. Et si vous allez vous promener entre 2 et 3 unités astronomiques, c'est-à-dire entre les orbites de Mars et de Jupiter, vous allez rencontrer la ceinture principale d'astéroïdes. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette ceinture principale ? Eh bien, on y trouve plein de corps, des millions de corps, allant des plus petites poussières jusqu'à des corps très gros, très massifs. Par exemple, Vesta fait plus de 530 km de diamètre. Et Cérès est encore plus gros, puisque c'est le plus gros corps de la ceinture, et il fait plus de 900 km de diamètre. Et cette ceinture, c'est le seul endroit où on peut trouver des astéroïdes ? Alors non, on trouve aussi des astéroïdes au-delà de l'orbite de Neptune, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. On trouve aussi des astéroïdes sur l'orbite de Jupiter, mais c'est un autre sujet, on s'égare. Alors si on revient à la ceinture principale entre Mars et Jupiter ? Eh bien, cette ceinture contient tous les astéroïdes qui ont des orbites stables autour du Soleil. Il peut arriver que certains d'entre eux se percutent et se fragmentent en plus petits morceaux. Il peut aussi arriver que certains, pour des raisons physiques qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui, soient éjectés de la ceinture d'astéroïdes. Étant éjectés de la ceinture, ils peuvent rencontrer, être captés par la gravité de corps plus massifs, comme Mars, ou la Lune, ou la Terre. Et alors, tu peux nous dire ce qui se passe ensuite ? Et alors, c'est maintenant que nous allons retourner sur notre belle planète et lever les yeux au ciel pour observer ce qui se passe dans ce cas. L'astéroïde, on parle aussi de météoroïde si le corps est de petite taille. L'astéroïde, donc, va croiser l'orbite terrestre. Et pour peu que la Terre soit à cet endroit-là, à ce moment-là, l'objet va pénétrer dans l'atmosphère. Mais c'est ce qu'on voit dans le ciel ? On peut le voir ? Comment ça s'appelle en fait, ce qu'on voit dans le ciel ? Tout phénomène lumineux observé dans le ciel s'appelle un météore.
C'est par exemple le cas des éclairs pendant un orage. C'est aussi le cas de l'arc-en-ciel à la fin de l'orage. Et c'est aussi le cas d'un objet venant de l'espace, un objet extraterrestre qui va pénétrer dans l'atmosphère, qui va chauffer les gaz de l'atmosphère, qui va les compresser, les chauffer. Et donc ça va brûler, on va avoir un phénomène lumineux donc, qu'on appelle également météore. Il y a d'autres phénomènes lumineux, par exemple les étoiles filantes. Alors les étoiles filantes, effectivement, sont des météores de poussière. Si le corps qui rentre dans l'atmosphère est de petite taille, ce sera une étoile filante. Si on peut aussi avoir, par exemple, des débris de satellites artificiels qui s'échappent de leur orbite et qui peuvent revenir sur Terre, et donc on aura également un météore de la même façon. Mais ça peut aussi être un astéroïde, un caillou extraterrestre qui rentre dans l'atmosphère et qui va donc, qui est plus ou moins gros, et qui en rentrant dans l'atmosphère va se consumer, il va noircir, et avec un peu de chance, s'il était suffisamment gros et qu'il n'a pas trop brûlé pendant son vol atmosphérique, on peut retrouver au sol une météorite. Ah, nous y voilà. Donc tu peux nous dire en fait ce que c'est qu'une météorite ? Est-ce que c'est fréquent d'en trouver ? On estime entre 5 et 10 météorites par an en France. Tout le problème est d'en retrouver une et d'identifier comme telle. Et oui, justement, alors à quoi ça ressemble ? Alors, 85% des météorites sont ce qu'on appelle des météorites primitives, qui proviennent donc de corps non différenciés et qui vont avoir l'aspect de cette pierre-là que vous voyez là. Elle sera donc noircie à son extérieur, puisqu'elle a brûlé pendant les quelques secondes qu'ont duré le météore. Ça fait ce qu'on appelle une croûte de fusion, qui est très fine, submillimétrique. Cette croûte de fusion donc noire et recouvre des surfaces qui sont relativement planes, avec des arêtes pas trop marquées, un peu émoussées, on dira. Et puis vous avez aussi très fréquemment des empreintes de doigts, un peu comme des empreintes de doigts dans la pâte à modeler. On appelle ça des regmalites. Voilà, c'est l'aspect extérieur d'une météorite. Par contre, l'aspect intérieur du météorite, si vous avez la possibilité de le voir, l'aspect intérieur est forcément différent de l'aspect extérieur. Autrement dit, si une météorite, si une pierre est semblable à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien, vous pouvez dire que c'est pas une météorite. Enfin, dernière particularité d'une météorite, c'est une pierre qui est relativement lourde par rapport à une pierre terrestre. Ce sera d'autant plus vrai pour des météorites qui, elles, sont différenciées, qui proviennent de corps métalliques et qui sont quasiment du fer à l'état pur et qui sont donc très très lourdes, beaucoup plus lourdes qu'une roche terrestre. Mais tu as dit précédemment qu'un astéroïde pouvait aussi percuter Mars ou même la Lune. Absolument. Si un astéroïde percute Mars ou la Lune, ça va éjecter dans l'espace, on va dire, des morceaux de Mars ou des morceaux de la Lune qui peuvent s'affranchir des forces de gravité de Mars ou de la Lune et ensuite être captés par la gravité terrestre. Si ces corps sont importants et qu'on les retrouve au sol, on aura donc à ce moment-là des météorites martiennes ou lunaires. Ces météorites sont très rares. Et puisque ces météorites semblent quand même dans l'ensemble assez rares à trouver, est-ce que tu peux nous parler des moyens qui ont été mis en œuvre pour essayer de les retrouver justement, puisque ce sont des objets très riches en informations sur notre système solaire ? Alors c'est sûr que c'est plus facile de retrouver une pierre noire sur un sol uniforme, soit de sable, comme dans le désert de l'Afrique du Nord ou au Chili, ou alors un sol glacé, tout blanc, comme en Antarctique. C'est dans ces endroits-là qu'on retrouve le plus de météorites. C'est sûr que si une météorite tombe chez nous, dans notre campagne, dans notre environnement boisé, ça va être un petit peu plus compliqué, voire improbable de retrouver une météorite. Donc tout problème consiste à déterminer le point de chute d'une météorite. Et donc il y a un programme scientifique qui a été mis en place par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris
et qui s'articule sur deux méthodes. La première méthode, c'est un réseau de caméras qu'on appelle les caméras Fripon. C'est drôle comme nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Fripon? Fripon, c'est l'acronyme anglais de Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. J'y suis arrivé. Donc ce réseau de caméras, on en a à peu près 120 en France. Il y en a aussi en Italie, dans le nord de l'Italie. Il y en a de plus en plus en Europe centrale, en Espagne. Enfin, le réseau s'agrandit, pas tous les jours, mais presque. Et on en a 9 en Bourgogne-Franche-Comté. À Dijon, la caméra est située sur le toit de la faculté des sciences de Mirande. Donc ces caméras ont pour objectif d'enregistrer les entrées de corps extraterrestres dans extraterrestres dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'elles détectent un météore? Elles détectent un météore, absolument. Et si on a plusieurs caméras qui détectent un météore, on peut, par des algorithmes, déterminer sa trajectoire et possiblement son point de chute, ce qu'on appelle l'ellipse de chute, des fragments qu'on pourra retrouver au sol, et à ce moment-là, ce seront donc des météorites. Tu as dit qu'il y avait deux méthodes, donc là tu viens de nous décrire la première qui est liée à ces caméras, donc quelle est la seconde? La deuxième méthode réside repose sur des témoignages. Des témoignages sur un site qui s'appelle vigiciel.org. C'est un site où vous pouvez aller. Si vous observez un phénomène lumineux dans le ciel, vous allez et puis vous êtes guidé. C'est très facile, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique, un grand connaisseur. Vous êtes très bien guidé pour déposer votre témoignage. C'est gratuit? C'est absolument gratuit, oui, tout à fait. Et donc si plusieurs témoignages sont recoupés sur un même phénomène, sur un même météore, avec également des enregistrements de caméras Fripon, on pourra donc déterminer la trajectoire, déterminer le point de chute, et à ce moment-là, aller rechercher d'éventuels météorites rescapés. Et ça marche? Tu as des exemples à partager avec nous? Et bien sûr que ça marche. On a eu le 1er janvier 2020 des enregistrements de plusieurs caméras du nord de l'Italie, plus des témoignages rapportés sur Vigiciel ou des sites apparentés en Italie. Et les scientifiques ont pu déterminer non seulement la trajectoire du bolide dans l'atmosphère et son point de chute, mais également le corps parent et l'orbite de ce corps parent autour du Soleil. Toujours est-il que les scientifiques ont alerté la population, ils ont fait passer des messages, et le 3 janvier, un promeneur avec son chien a découvert deux morceaux de météorites, un peu de ce type-là, mais plus petits, puisqu'il y avait pour un total de 55,6 grammes. Donc ça marche. Mais nous, à la SAB, du coup, on est un peu jaloux, parce qu'on aimerait bien aussi en trouver des météorites. Alors effectivement, on aimerait bien qu'un jour... Un jour, on reçoive un coup de fil du muséum et des instances qui pour nous dire quelque chose est tombé chez vous, il faut aller chercher. Je vous dirai dans une prochaine vidéo comment on s'y prend pour aller rechercher un tel caillou. En attendant, je vous invite à aller visiter le site de la Société Astronomie de Bourgogne, sab-astro.fr, et vous aurez une rubrique pour vous inscrire sur notre réseau régional Vigiciel. C'est totalement gratuit également. Et si vous vous inscrivez sur ce réseau, vous serez régulièrement tenu informé de l'actualité des météorites, des sciences météoritiques. Et puis vous serez également sollicité pour venir nous aider à rechercher un caillou extraterrestre si l'occasion se présente. Voilà, je vous remercie. Merci Henri. Au revoir.